Gastronomade ? C'est la 11e année. 11e année, je crois que c'est t'as peut-être 11e année consécutive, je crois. Consécutive, ouais. Ouais, mais c'est ça, voilà, c'est quand même ce qu'il faut préciser. 11 années consécutives que tu es avec nous. Tu nous viens de Strasbourg, ouais. Ça fait de la route. Hein. Ça tu es boulanger. Ah, mais c'est vrai, oui. Je l'appelle. Et tu vas nous faire de la cuisine. Allez, tout est dit. On a perdu Sébastien. Est-ce que vous savez où est Sébastien? D'accord. J'arrive. Tu sais que tu as une joute, Sébastien ? Ouais, je sais. Ah, très bien, très bien, très bien. On a perdu Sébastien parce qu'en fait, Sébastien était tout à l'heure. Tu étais au bar Vals Étonnant, c'est ça, hein ? Sébastien ? Oui, j'arrive. Qu'est-ce que tu faisais là-bas au bar Vals Étonnant ? Seb va nous chercher un coup à boire. Qu'est-ce que tu faisais ? Qu'est-ce que tu faisais là-bas ? C'est ici que ça se passe, c'est Sébastien. C'est ici. Alors, attends, mais il manque un truc, moi. Attends, il manque quoi ? Ma courge de Nice. Ah ! Ah ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Comment ? Je l'ai laissé chez Vals. Tu peux la chercher ? Ben chez, crois... Vals ? Ben ouais. Chez Vals ? Je crois qu'il faut que tu montes là-haut vite, chercher ta courge de Nice. Mais moi, je serais toi, je courrais, quoi, parce qu'elle est vraiment là-bas. Hein. Allez, hop ! Mais si ! Mais si ! Ouais, c'est pas grave, je vais me débrouiller avec un petit peu. Non. Non, mais je crois qu'il faut que tu ailles la chercher, hein, c'est vrai. Hein. Ouais ? Ben, il passe par là, plus vite. Plus vite, tu cours, hein ? Tu vas la chercher, donc. Et nous, on va commencer en ce temps-là, c'est ça, non ? Qu'est-ce qu'on va lui faire là ? Et voilà. S'il était passé par la scène, il y aurait eu Sky Priority. Ah, je crois que. Mais on a perdu Sébastien. T'es où là maintenant ? Il n'était pas parti, le salaud. Ah, c'est, t'as vu, c'est arrivé avec Sky Priority. Donc, ça y est, ça va mieux là. Ça va mieux, ça va mieux. Bon, on a le panier, on a tout ce qu'il faut. Donc, on va faire une joute. Vous avez 35 minutes, ok ? 35 minutes. Non, 35 minutes. Pas Flora. Pas Flora. Non, pas façon Flora. Non, non. 35 minutes. Tu sais jongler, Seb ? Pour réaliser une recette. Alors, vous me faites deux assiettes chacun. C'est possible ? Oui. Deux assiettes chacun ? Par contre, Pascal, comme je suis boulanger, les chefs étoilés, j'ai droit à un commis aussi, comme ouais, tout à l'heure. Oui. Attends, on va réfléchir. Je sais pas si Jean-Baptiste Nathalie, il est là, il est déjà arrivé pour sa démo de plus tard. Alors, attends, tu veux un commis toi aussi ? Il te faut un arpète. Alors, attends, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a du monde qui voudrait jouer l'apprenti, là ? Jean-Baptiste, il est là, non ? Si JB, il est là. Tu fais quoi ? Tu veux venir nous voir ? Allez, Jean-Baptiste, allez, tu choisis ton équipe. Si on avait Flora, tu crois que Flora, elle est là ? Elle est partie, non ? Flora, elle est là ? Non, elle est dans le public. Elle est où, Flora ? Flora veut... Ah, ben voilà. Tu veux leur donner un coup de main ? Est-ce que tu veux leur donner un coup de main ? Moi, je regarde. Je fais un petit purée de voilà. Cotimarron. Tu leur donnes quelques conseils quand même, s'il te plaît ? Non, rien. Quelques sans conseils, hein. Voilà. Tu vas voir. Oh, ça suffit. Hein. On a tout. Donc, non, Jean-Baptiste... Je mets 100% produit. Après, je voulais faire caraméliser pistaché au wasabi. Donc, Jean-Baptiste qui vient de nous rejoindre, on le retrouvera tout on à l'heure aussi minutes, pour une... Pour une leçon de cuisine. Juste ouais. un petit mot quand même pour présenter Jean-Baptiste, parce qu'on ne le connaît pas bien au Gastronomade. Je crois que c'est la première fois que tu viens, Jean-Baptiste. Alors, première fois, tu vas nous dire d'où tu viens ? Alors, je viens de Champagne, je viens de Colombey-les-Deux-Églises, en Haute-Marne. Voilà. Restaurant étoilé qui vient pour la première fois au Gastronomade, mais on va le découvrir tout à l'heure un petit peu plus. Pour le moment, il va juste donner un petit coup de main à Bruno pour cette joute. On sait un petit peu ce qu'on va faire. On a une idée. Vous avez découvert votre panier, Bruno. Qu'est-ce que ça donne On vient de découvrir avec Jean-Baptiste. On s'est dit que moi, je partais sur une petite purée sucrée. On va essayer de partir sur un dessert. Avec 100%, comme le disait le président Petit Demange, il en a fait son fer de lance, c'est d'utiliser le maximum d'un produit, c'est-à-dire le zéro gaspille. Donc là, nos déchets. Ouais, exactement. Donc on va utiliser 100% du potimarron. C'est-à-dire que on va utiliser la peau, la chair, exactement. Et la graine. Et les graines. Et les graines. Et donc la technique que tu vas mettre en place pour cuire ça. Alors la technique, c'est une technique comme une cuisson vapeur avec notre robot ménager favori, le Thermomix. Ici présent. Exactement. L'idée aurait été qu'on aurait pu garder les graines pour les faire torréfier, graines de courge ou graines de quinoa. Les gens ont plus l'habitude. Vous avez ou pas ? Mais là, on va tout mettre ensemble, un fond d'eau, et on va cuire ça 23 minutes. C'est précis, hein ? 23 minutes. Donc, avec la cuisson, le système Varoma du Thermomix, c'est-à-dire 122 degrés, hein, le maximum. Ok, c'est parti. En cuisson, de ce côté-là, t'avais pas un commis, toi, tout à l'heure, non ? Enfin, c'était tout à l'heure. Oui, c'était tout à l'heure. C'était tout à l'heure.
Donc, bon. je crois qu'elle est partie. Alors, qu'est-ce que tu as découvert ton panier? Ouais. Ça te parle? Bah ouais, ça me parle un peu quand même. Ça te parle un peu? Qu'est-ce que tu as? Bah, il y a plein de petites choses. Du fromage. Oui. Encore des légumes. Encore des légumes. Il y a un peu d'acidité. Du vinaigre de vin. Vinaigre de vin, voilà. Il y a de la gelée de pomme. Gelée de pomme, ok. Là, je suis sur une courge de Nice, en fait, hein, la courge longue. Alors, cette courge de Nice, ça vient un peu de chez toi, ça, peut-être, non? Pas très loin. Pas très loin, quand même, c'est un produit que tu connais bien. C'est un produit que je connais, ouais. Voilà. Je connais plutôt pas mal. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette... Je vais la cuire, en fait. On va la cuire en varoma, de façon à pouvoir apporter un petit peu un disque, comme ça. Oui. Et après, on va composer une petite assiette autour du fromage, de l'olive et des légumes, avec des petites aubergines qu'on va faire poêler un tout petit peu. Ok. De façon à jouer un peu sur les textures. Il va y avoir également un peu d'acidité avec le vinaigre de vin, un peu de gelée de pomme qui est un petit peu acide, hein, qui va être plutôt pas mal, avec évidemment les olives de Kalamata qui sont assez gorgées en fruits. Là, on a une... Est-ce que tu sais ce que c'est, ça? Betterave rouge. Yes. Crapaudine. Crapaudine, exactement. Crapaudine. Et je pense qu'elle a été... Cuite au four. Cuite au four, hein. C'est ça. Cuite au four qui est la meilleure technique pour cuire la crapaudine, en effet. Donc, je pense que ça va être très intéressant. Un petit peu de citron confit, c'est quelque chose que j'affectionne, en fait. Hein. Oui. Alors, moi, j'utilise que la peau. C'est ça, tu n'utilises que la peau. Du citron confit, ouais. L'intérieur, je trouve que c'est un peu salé. Alors, on peut le réutiliser après pour faire autre chose, mais je reste sur la même trajectoire, ce que je disais tout à l'heure, en fait, par rapport au sel. Hein. Le sel, je... Ouais, prudence. Je fais très attention à ne pas... l'utiliser de façon trop importante. Et on peut expliquer pourquoi le citron confit, la chair, est un petit peu salée. C'est parce qu'en fait, la technique pour faire ces citrons confits, c'est une saumure dans laquelle on plonge ce citron. Et donc, obligatoirement, il se gorge un petit peu de sel. Mais c'est aussi la technique pour le confire, quoi. Exactement, ouais. En effet, pour faire des citrons confits, il faut du sel et des citrons. Et l'idée, c'est que le sel, pour pouvoir confire le citron, rentre à l'intérieur et ressort, mais le jus se gorge, en fait, de sel. Donc vraiment, hein, c'est extrêmement, c'est la saumure, donc quelque chose qui sature en goût, et on n'arrive pas du tout à avoir le goût de citron, pour donc, ma part. On a un petit problème, Sébastien. On a un petit problème. Ouais, bon, on a J'ai perdu mon commis. Voilà, on a perdu ton commis. Alors, ils sont deux de ce côté. Ouais. Et là, on a perdu. Puis regardez, il y va. Hein. Ouais, et ça tape dedans, hein. Je veux dire que... Ouais, mais enfin, tout à l'heure, je me suis aperçu qu'on pouvait prendre un peu plus de temps. Hein. C'était tout à l'heure. C'était tout à l'heure. D'accord. C'était tout à l'heure. C'était tout à l'heure. Et c'était pour être le plus possible élégant avec Flora. Parce que d'accord. Bon, tu comprends, voilà. Mais elle va revenir. On ne sait pas quand. Qu'est-ce qui se passe? Hop, j'ai entendu, pardon. Écoute, à nous deux conseils peut-être, je ne sais pas, non? Un petit jeune qui débute. Le commis, non, on doit faire merci, des plus. Merci. Hein. Ah, non. Je veux bien récupérer le varoma, en fait. Un poivron, alors, juste un coulis poivron. Tu sais ce que c'est que le varoma, hein. C'est un épice très important. Le varoma, où est-ce qu'il est Le dernier cri, ouais. Alors Bruno, qu'est-ce qui se passe de ton côté? Non, c'est vraiment celui-là. On a lancé la petite purée ici. On a lancé la purée 100% produit. Jean-Baptiste est en train de réaliser un caramel de fruits secs et wasabi pour donner un peu de peps à tout ça. D'accord. Une petite brunoise de pomme dont il m'a donné l'idée, vraiment une bonne idée pour finir. Et vraiment, c'est ça qui va donner un petit peu, à mon sens, un côté légèrement acidulé. Et on va terminer vite fait, bien fait, avec un petit coulis poivron betterave. Cuisine à quatre mains. Exactement. Cuisine à quatre mains. T'as vu, Florent? C'est la première fois qu'on cuisine. Quand un boulanger se met en cuisine, tu as vu ce que ça donne? C'est la première fois qu'on cuisine ensemble. Ça fait 35 ans que je le connais. Je crois que vous vous croisez souvent au gastronomate, d'ailleurs, aussi. Hein. Il a toujours essayé de faire de la cuisine, il n'est jamais arrivé, mais il persiste. Il continue à faire du pain, tu le fais vachement bien. Bon, bah allez. Le varoma, oui, il est Michael, où est-ce qu'il... Non, microplane, ouais. T'as trouvé une microplane? Pour toi? Tiens, regarde. Non. Merci. C'est quoi cette machine? Ça, c'est un varoma, en fait, ça va permettre de cuire à la vapeur. Donc là, justement, j'ai mis les intérieurs de citron dans l'eau. On va faire porte à ébullition. Moi, je travaille souvent avec la vapeur chaude, hein, évidemment. On aurait pu démarrer à froid.
Là, oui. Je vais attendre que ça porte un tout petit peu à ébullition de façon à pouvoir mettre nos disques de butternut, nos disques de courge de Nice à cuire. Là, j'émince juste un tout petit peu de citron confit de façon à pouvoir vraiment assaisonner notre assiette. C'est pratiquement le seul apport de sel qu'il y aura. D'accord. Alors, lorsque vous êtes rentré sur l'espace Franquin tout à l'heure, on vous a donné des petits tickets. Pas moi. T'en as pas eu, toi. Non. Fallait pas être au bar valse-tonnant. Ah, c'est vrai. C'est désolé. Fallait être dans la salle. Donc, ces petits tickets, on va procéder à un tirage au sort. Et quatre personnes vont venir nous rejoindre sur la scène et vont pouvoir déguster vos assiettes. Ah, super. Voilà. Donc, je vais demander aux jeunes qui sont à l'entrée de bien vouloir me descendre les petits tickets. Super. Et il me faudra une main innocente pour procéder au tirage au sort. Alors, merci. Donc, le tirage au sort va avoir lieu. Je vais demander une main innocente et je pense que la main innocente qu'on pourrait avoir ici, c'est bien sûr Flora. Est-ce que Flora est toujours là pour avoir le rôle de la main innocente? Oui. Oui, un voyage à Angoulême. Quatre tickets, tu me fais quatre tickets, s'il te plaît, qui vont désigner les quatre personnes qui vont venir nous rejoindre pour déguster. Alors, le 51. 51 jaune. Jaune. C'est pas fait exprès. Hein. Non, mais il faut que tu annonces la couleur aussi. C'est jaune. 51. Eh bien, comme le jaune, le 51, c'est toujours jaune. Hein. Tout est dit, hein. Tout est dit. 51 jaune. Je l'aime bien avec un peu de sirop d'orgeat. Ah, vous prenez note. Hein. 51 jaune. Est-ce que quelqu'un a le 51 jaune? Oui? Non. Alors, un autre. Le 18 violet. Tu vas passer ton après-midi à faire le tirage au sort. Hein. 18 violets, on n'a pas non plus, non? On continue? Le 8 vert. 8 vert, mais c'est truité ton truc là, qu'est-ce que tu me fais là? Ah, très bien, viens nous rejoindre, super. Du vin jaune, très bon le vin jaune. Très très bien, vin du Jura. Alors, le 17 marron, marron noir. Marron noir, comme vous voulez, 17. Est-ce que quelqu'un a le 17? Non, on n'a pas. Le 7 vert. 7 vert, merci, venez nous rejoindre, madame, s'il vous plaît. 7 vert. T'as vu, on a un jeune garçon là, il est prêt. Hein. Ouh là là. Oui. T'as pas peur, hein, t'as bien mangé, Lily? Ouais. T'as des boulangers, il faut à manger. Eh ben écoute, encore celui-là, on peut s'en sortir. Oui, il nous l'a prouvé tout à l'heure, c'est ça. Attends, ils se sont mis à deux quand même. Hein. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Hein. Je te le dis, Flora. Alors, c'est pas avec deux taches dans l'assiette que tu vas les nourrir. Hein. Le numéro 7, vert. 7, vert, s'il vous plaît. Voilà, merci madame. Venez nous rejoindre. Installez-vous, s'il vous plaît. Le 7, vert. Est-ce qu'on a le 7, vert? Non plus. On continue. 53 jaunes. 53. Ah, c'est 53 jaunes. On a quelqu'un, non? Alors, venez nous rejoindre, très bien. Et normalement, il devrait nous manquer une personne. Encore un, s'il te plaît, Flora. Madame, le 3 marron. Le 3 merci. Marron. Voilà, très bien, madame. Super. Vous êtes le 8 marron? Vous n'avez pas été tiré au sort? Mais vous voulez venir quand même? Allez, ben venez, tiens. Ah, super, bienvenue, madame. Je vous en prie, installez-vous. Mais on a déjà un homme, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai que quatre assiettes.
Ils ont fait. Tu as mangé, il y a mangé pour 4, il y a mangé pour 5. Avec deux points dans l'assiette comme ça? Ah bah si. Alors là, je veux dire, t'es un Alsacien. Alors, ça, c'est... alors je veux dire, s'il pouvait faire à manger pour 18 et faire pour 80. Il le ferait. Et il le ferait. N'écoute pas Bruno, hein, t'écoutes pas. Hein. Non. T'écoutes pas. Moi, je suis fier. J'ai rencontré Jean-Baptiste au bout du monde et c'est quelqu'un qui va encore plus loin que moi. Et ça, c'est passionnant. C'est vrai, parce que Jean-Baptiste voyage beaucoup aussi, comme toi, parce que toi, tu es quand même un grand voyageur. Hein. J'aime beaucoup voyager et on s'est rencontré avec Jean-Baptiste au bout du monde et on se retrouve ici à Angoulême à faire une assiette et c'est ça qui est passionnant. C'est cette simplicité. Ouais, exactement, ce partage de la cuisine. Et vous le savez, Pascal, c'est vraiment ça qui nous tient à cœur. Génial, c'est vraiment le partage, le travail à quatre mains. Donc et vous savez que le temps passe, exactement. Dans 10 minutes, on dresse. Dans 10 minutes, ça va aller, Sébastien ? Non, pas du tout. Parfait, on est très bien alors. Bah alors, pas du tout. Seb, tu veux appeler un ami ? Pour ouais, on va appeler un allumer ami, le Thermomix. Je peux enlever la puce, ma cuisine au quotidien ou ça va parler ? Fais-toi plaisir. D'accord. Attends, toi, t'es impressionné là. Là, t'es impressionné. Allez, scotché. Il y a des recettes là-dedans. Oui. Tu découvres ça. Ah, touche pas. Parce que si je dirais que la recette, ça... Ah non, tu peux y aller, ça a sauté. Non, tu n'utilises pas cette machine magique? Si, tu m'as dit qu'il y en avait deux. Oui, mais j'ai l'ancien modèle. Okay. Voilà, oui, ouais, il fallait lui parler. Oui, exactement, pour qu'il marche. Ah, super, ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parle-nous un petit peu de les olives. Les olives, les noisettes. J'ai mis un petit peu de crème de ferme là avec les lamelles de citron. On va additionner tout ça. Je voulais juste faire le coulis pour mon betterave. D'accord. Et dans 10 minutes, on est prêt. Non. Dans 10 minutes, on n'est pas prêt. Toujours pas. Mais je vais essayer de faire en sorte d'envoyer quelque chose. Tu te la joues à la Flora ou quoi là, qu'est-ce que tu fais? Il a été impressionné. Il s'est dit qu'il fallait qu'il... C'est ça. La barre était haute. La barre était haute. De l'autre côté. Ok. Donc... faire une assiette de plus. Qu'est-ce que tu rajoutes? J'ai du mal à sortir avec deux assiettes. Un petit peu de miel pour le côté sucré s'il te plaît. De la purée. D'accord. Comme on dit chez nous, c'est un bon peu. C'est un? Un bon peu. D'accord. On va retenir. Baptiste, tu expliques un petit peu ce que tu es en train de faire? Bon, par rapport au panier, je me dis, bon, on est bientôt à Noël, donc on a les fruits secs, on a le navet, c'est quand même des produits de saison, ça sent la Noël aussi. Hein. Donc sur la pomme aussi, vinaigre de pomme, jus de mandarine. Zeste de mandarine et betterave. D'accord, super. Gâteau de navet à la betterave et fruits secs. Super, très très bien. Tu nous parles un petit peu de la technique que tu as utilisée pour préparer ça. J'ai pris de la gelée de pomme pour mon caramel. Donc j'ai mis mes fruits secs. Une fois caramélisés, j'ai déglacé au vinaigre de pomme. J'ai mis mes pommes au dernier moment pour pas trop les cuire non plus, parce qu'avec le caramel, ça va vite les cuire. Et puis je laisse reposer comme ça, ça va faire une petite marmelade sympa. Et on la posera sur les navets dessus. Et avec sa purée de butternut dessus. Voilà. Super, beau programme, très très bien. Très très bien. Eh bien, tu vois que tu l'as ton chant de Noël. Bon, c'est très bien, il nous reste 10 minutes, deux assiettes chacun. Et après, on se retrouve avec Jean-Baptiste qui nous fera une autre démonstration, une de ses recettes que l'on peut également retrouver dans son établissement. Tu as utilisé les... As-tu également les olives? T'es allé piquer les olives chez... Non, pas du tout. Non? Ne serait pas permis. Ah non, pas du tout, oui. Je lui ai déjà fait venir son panier en express, vous avez pu voir. On a pu remarquer, oui. C'est sûr. Oui. T'as vu? Ça va plus vite qu'avec ta compagnie EasyJet, Seb. En effet. Oui. C'est bon, Sébastien, tu rattrapes ton retard? Ça va. Non. Bon, comme ça au moins, ça mérite d'être clair. Qu'est-ce que tu fais? J'assaisonne la table.
Tu as pris le fromage, c'est ça? Ouais. C'est quand même paradoxal. C'est quoi comme fromage? Fromage de vache, chèvre? Chèvre. D'accord. Chèvre, on va faire la petite raviole ouais, en fait. Bon, ouais. Ouais, voilà, avec la crème de tout à l'heure. Ouais, qui est plutôt pas mal. Hein. Tu veux goûter? Oui, je voudrais bien, oui. Ça manque un peu encore, je vais rajouter les olives après, mais c'est pas mal. Ah, c'est sympa ça, oui. Un peu d'acidité. Ah, exact. Pas trop salé. Non. Hé hey Bruno, on t'entend plus? Qui est-ce que tu n'entends plus? Bruno. Bruno, il bosse. On attend, ça va venir. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ce soir, je crois. Alors, ce côté, ça y est, on est cuit, là? C'est ça, on est cuit. On mixe. Hop, c'est parti. Encore tout c'est petit parti. Peu. Et donc là, on a bien tout utilisé. Hein. Les graines, y sont, la peau, tout. Et la peau ne va pas être trop dure, ça va être cuit comme tu veux, pas de problème. Hein. Ouais, pas de souci. On ne va pas passer au chinois, pas de tamisé, rien du tout? Non, okay. On bouge pas. Il nous manque juste un accessoire essentiel. Le talon. C'est bon, on est dans les temps. Presque prêt à dresser. Hein. Voilà. Ils sont en train de dresser de l'autre côté. C'est très bien. Ouais, nous aussi. T'as rajouté tes olives, c'est ça? J'ai rajouté mes olives. Ok. Petite quenelle. Donc messieurs, deux assiettes chacun. Deux. Non, non, deux par équipe. Hein. Bon, c'est pas grave. Prêt Bruno? Quasiment. Petite seconde et j'y vais, il va être impeccable. Donc tout est présent, hein. Vous avez vu, il a épluché, il a pas épluché, il a pas enlevé les pépins, il a tout mis à cuire en même temps. Ouais. Parce qu'en plus c'est hyper dur à éplucher. C'est l'heure de ta pause, tu fais ta petite clémentine, c'est l'heure de ton goûter. Exactement. Ça vient de ton voisin, ça. Hein, c'est, Oui, c'est... Non, mais tu vas vraiment la manger, c'est vrai, Bruno? C'est un composant de la recette, hein. Tu vas pas la manger. Hein. Ah non, pas du tout. Ah bon? Vas-y, hein, serre-toi. Serre-toi, tu peux prendre tout ce que tu veux, hein, y a aucun problème. Là, une petite vinaigrette en fait. Hein. Voilà, c'est ça. J'ai rajouté un tout petit peu de jus de citron pour avoir une autre forme d'acidité. J'ai bien fait réduire. Des glaces au vinaigre? Des glaces au vinaigre, enfin c'est juste du vinaigre réduit. J'ai D'accord. mis un tout petit peu de jus de citron. Là, je vais déglacer avec un tout petit peu d'huile d'olive. On est juste sur une réduction. Voilà, assaisonner un petit peu l'ensemble de notre assiette. Voilà. Donc, deux chefs, un chef de Marseille à côté de moi, Sébastien, un chef boulanger de Strasbourg, un habitué des gastronomades. Bruno, ça fait 11 ans qu'il vient avec nous là, sur ces gastronomades. Et on lui fait aussi faire de la cuisine. Il se prête bien au jeu. Oui, ouais, on peut l'applaudir. Ouais, oui. 11 ans au gastronomade. Et Sébastien, lui, c'est la deuxième fois, je crois, qu'il vient. Il était déjà venu. Et il revient. Mais vous pouvez me faire confiance. Et j'espère qu'il reviendra. Je te fais le coulis betterave, JB, tout de suite. C'est bon, elle est bonne. Ça y est, on est parti sur le dressage de la première assiette.
Donc avec la petite purée. Voilà, vous vivez ça en direct sur votre écran. Et vous vivez ça aussi en direct sur le Facebook des Gastronomades. Le monde entier vous regarde. Alors, le temps que l'on dresse, on va aller voir nos invités. Vous êtes prêts pour déguster? Oui. Vous êtes d'Angoulême? Oui. Donc, habitué des Gastronomades? Très bien. Madame aussi d'Angoulême? Parisienne, angoumoisine d'adoption. Et habituée des Gastronomades? Bien sûr. Bienvenue. Et vous également, vous êtes... Alors vous, on vous a fait venir, mais bon, faut pas le dire, c'est entre nous, on ne va rien dire. Aussi. Oui, c'est la faute à Flora, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Non, bah, je viens d'une vingtaine de kilomètres d'Angoulême. D'accord. Voilà. Et je viens régulièrement au Gastronomade. Habitué des Gastronomades aussi. T'as du sopalin, t'as... Monsieur, habitué des Gastronomades aussi? Évidemment, toujours là, toujours présent. Oui, évident. Vous êtes chez vous ici. Et alors toi, tu es déjà venu au Gastronomade? Oui. Tu viens régulièrement? Tous les ans. Tous les ans. Passionné de cuisine? Oui. La relève? Peut-être. C'est toi bientôt qui va être sur scène à nous faire des démonstrations de cuisine, alors j'espère. Écoute, on t'attend avec grand plaisir. Alors, allez, on revient vous voir pour vous faire déguster tout ça. Ça y est, des assiettes pleines de couleurs qui sont en train de se dresser devant vous. Je pense que vous les voyez ici. C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que même avec des saisons que l'on a en ce moment, l'automne, l'hiver qui arrive, on arrive toujours à avoir des produits de couleur. Et là, c'est parti aussi. La première assiette, donc. Qu'est-ce que tu nous as fait? On a changé les couleurs là, il s'est passé quelque chose que tu nous as pas expliqué. Un petit coulis, juste poivron betterave, donc 100% du poivron et de la betterave cuite, coupée en petits cubes, voilà, très simple. Voilà. Et là on est vraiment sur la couleur, sur les produits de saison. Donc comme vous pouvez le voir, hein, ils ont réussi le challenge de faire ces deux assiettes chacun en très peu de temps. Heureusement, Sébastien a été aidé par Flora. Je crois qu'on peut vraiment la remercier de sa présence et de son aide. Moi, je suis prêt, moi. T'es prêt? Presque. Ah ben, c'est génial, super. Donc, on va pouvoir passer à la dégustation. Et aussi, ici, ils sont prêts. C'est plein de couleurs, plein de fraîcheur. La betterave rouge, tous les produits de saison sont bien présents sur leurs assiettes. Et voilà. Et ça tient. C'est magique. C'est aussi ça la cuisine. Quelques pommes, un peu de fraîcheur pour donner du croquant, de la fraîcheur sur cette recette. Je crois qu'il y en a qui ont de la chance d'aller vous régaler. Ça, c'est la sauce dont on parlait tout à l'heure. C'est le petit jus, ouais, qui va finir de lier l'ensemble. En fait, c'est vraiment une petite balade dans les Halles. Hein. On est, y a évidemment le fromage de chèvre, mais c'est plutôt une entrée. Donc, on va apporter un peu d'acidité. C'est beau, hein, tu as vu. Hein. Tu valides, on peut envoyer? On y va? On y va. Merci, chef. Ouais, un peu de sel, c'est ça? Pas trop de sel. C'est terminé de ce côté, c'est en train de se terminer de ce côté. Je crois qu'on peut vraiment les applaudir. Ah, c'est vraiment un bel exploit. Je pense que vous avez les assiettes devant vous. Hop, la voilà. Finale, un petit peu de poivre. On se copie, mais c'est très bien. Bravo. Très très belle réalisation. Vous avez des assiettes magnifiques qui sont devant vous. Merci messieurs, bravo les chefs. Merci, à vous. Merci d'être venus nous voir. Et Merci. Puis on va passer à la dégustation. Et on te retrouve juste après. C'est ton tour. Tu auras besoin d'un commis? Allez, on va vous passer la dégustation. Ah, Flora est là, de retour. Tu veux goûter?
Alors, on va aller voir nos invités, avoir une petite impression de cette dégustation. Comment ça se passe ? Alors, on va poser des questions, à voir un petit peu le... Comment tu trouves ça ? C'est très bon. Ah, ça te plaît ? Bon, très bien. Madame ? C'est très bon. Franchement, c'est léger, c'est goûteux. C'est très bon. Bravo. Monsieur, vous avez goûté un petit peu ? Oui, tout à fait. C'est excellent. Excellent. Et c'est unanime, alors là... Madame, comment ça se passe, la betterave rouge, la clémentine ? C'est très bon. C'est très bon. Oui, oui, beaucoup. Et alors vous, madame, vous avez trouvé ça comment ? Excellent. Et ce que j'ai adoré, surtout, c'est le jus de... la mixture de carottes avec miel. J'adore ça. Ça, j'adore ça. Merci. Ah ben voilà, un vrai succès, vous voyez ? Un vrai succès.